égalité des fractions. A sur B égale C sur D si et seulement si A fois D égale B fois C. B différent de 0, D différent de 0. Pour décider si deux fractions sont égales, tu calculeras les produits en croix et tu verras s'ils sont égaux ou pas. Amen. Addition. A sur C plus B sur C égale A plus B sur C. Pour additionner deux fractions d'un même dénominateur, tu ajouteras les numérateurs, mais tu garderas le dénominateur commun. Si les fractions n'ont pas le même dénominateur, tu les réduiras d'abord au même dénominateur. Exemple, 1 demi moins 2 tiers égale 1 fois 3 sur 2 fois 3 moins 2 fois 2 sur 3 fois 2 égale 3 sur 6 moins 4 sur 6 égale moins 1 sur 6. Amen. Multiplication. A sur B fois C sur D égale A fois C sur B fois D. B non nul, D non nul. Pour multiplier deux fractions, tu multiplieras les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Attention, pas la peine d'avoir le même dénominateur. Amen. Je te rappelle que diviser A par B, autrement dit A sur B, revient à multiplier A par l'inverse de B. B étant bien sûr non nul. Tu vas diviser deux fractions en multipliant la première par l'inverse de la deuxième. A sur B sur C sur D égale A sur B divisé par C sur D égale A sur B fois D sur C égale A fois D sur B fois C. Bien sûr, B, C, D doivent être non nuls. Amen. Puissance avec exposant naturel. A est un nombre réel et N entier positif, non nul. Tu multiplieras A par lui-même N fois pour calculer A puissance N. Le nombre N s'appelle un exposant. Cas particulier, A puissance 1, c'est A. A puissance 0, c'est 1. Amen. Puissance avec exposant entier négatif. A puissance moins N égale 1 sur A puissance N. Pour A puissance moins N, tu prendras donc l'inverse de A puissance N. Exemple, 7 puissance moins 3 égale 1 sur 7 puissance 3 égale 1 sur 7 fois 7 fois 7 égale 1 sur 343. Amen. Puissance de 10. 10 puissance n égale 10 fois 10 fois 10, n facteur de 10. Donc pour 10 puissance n, tu écriras 1 suivi de n 0. Par exemple, 10 puissance 4 égale 1 suivi de 4 0, ce qui nous donne 10 000. 10 puissance moins n égale 1 sur 10 puissance n, ça veut dire 1 sur 1 suivi de n 0. Amen. L'écriture scientifique d'un nombre décimal. A fois 10 puissance n. Pour le A, tu écriras un seul chiffre non nul. Exemple, 7,68 fois 10 puissance 4. Ou 6 puissance 9 fois 10 puissance moins 2013. N'oublie pas, ici, la virgule devrait se déplacer à droite de 4 crans, parce qu'elle est exposant 4. Tandis qu'ici, la virgule devrait se déplacer à gauche de 2013 crans. N'oublie pas que 40 fois, disons 10 puissance 8, n'est pas une écriture scientifique.
devant la puissance de 10, ce n'est pas un seul chiffre non nul. Ici, tu devras toujours écrire un seul chiffre non nul. Amen. Règle pour les puissances. A puissance n fois A puissance p égale à A puissance n plus p. Tu rajouteras donc les exposants. A puissance n divisé par A puissance p égale A puissance n moins p. Tu vas donc soustraire les exposants. A puissance n, le tout puissance p, égale A puissance n fois p. Cette fois-ci, tu vas multiplier les exposants. Et par-dessus tout, tu honoreras autant A que B par le nombre n. C'est-à-dire A fois B, le tout puissance n, égale A puissance n fois B puissance n. Et A sur B puissance n, égale A puissance n sur B puissance n. Amen.